Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de LA Noir. Après une dure journée de boulot, ça fait du bien de se détendre et de reprendre LA Noir. Heureusement que la sauvegarde que j'ai gardée sur mon disque dur externe marche, parce que j'ai eu la bonne surprise en réinstallant Batman Arkham City. Je croyais avoir sauvegardé les sauvegardes du jeu, hein. Enfin, je solo, hein. Je le fais en solo, le jeu je l'ai fait en solo, je l'ai terminé, mais il y avait plein de trucs à faire après l'avoir fini, c'est ça qui est bien avec Batman. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le fichier de sauvegarde, il n'y avait rien. Du coup, j'ai bien les boules. Mais là, pour LA Noir, ce n'est pas le cas. Donc, le truc, c'est que j'ai absolument complètement oublié l'enquête dans laquelle on était imprégné, finalement. Je veux dire, j'ai complètement oublié. Je crois que c'est le nom de l'enquête, c'est Meurtre au bas de soi. Donc, apparemment... je crois qu'on l'avait déjà fait, il me semble, ça, dans la toute dernière vidéo. Je ne suis pas sûr du tout, mais on... Ouais, il me semble qu'on est allé interroger quelqu'un dans cet appartement, ou alors on l'avait pas fait. Bref, si jamais je l'ai déjà fait, je m'excuse, on va le refaire. Attends, si, c'est pas une... Si, c'est sa... C'est la femme et son mari. C'est la femme du mec qui est mort, non? Ah non, pas du tout, non. Ah non, en fait, c'est une vieille bique. Ça fait plaisir de retrouver Phelps et Galloway, cet enfoiré de Galloway. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Non, mais dites pas qu'il y avait un meurtre de mineur d'enfant, non? Je ne m'en souviens plus du tout. Barbara Lapentti. Je me souviens absolument plus de l'objet de cette enquête. Bon, à mon avis, c'est un meurtre parce que bon, on est au meurtre, je crois normalement. Si je dis pas de conneries. Bon. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Maldonado. Oh shit. Oh, no. Oh no! I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Hey, wait. Antonia's room is upstairs, last door on the left. La vie ne tient qu'à un fil. Excuse us a moment, ma'am. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce que tu fais? Hey, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce que tu... Ah oui, bah oui, je suis con, faut qu'on monte. C'est vrai qu'on est dans une pension. Mais attendez, c'était une mineure, je m'en souviens plus. Putain, c'est fou. Faudrait que j'ai pas eu l'idée de re-regarder la dernière vidéo. Oh, c'est gentil, tu me laisses rentrer. En premier. Oh, bon déjà... Ouais, apparemment, je vois directement la lettre. Déjà un portrait. Très important. Oh, c'est Trumbo. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'était le... Ouais, c'était un meurtre absolument identique aux précédentes enquêtes. Je m'en souviens. Donc une fille retrouvée nue, sûrement agressée sexuellement et tout, étranglée, bref. Tout le soin de soin. La fenêtre a été forcée. Hein. Le mec n'est pas allé de mort. Ouais, un pic en fer. Ah oui, il y a un pic... Ah oui, il est posé derrière le pic en fer du plaisir. Et qu'est-ce que je fais? Oh putain, c'est pas le petit pic en fer, non, non, là c'est le... Ouais, bah ouais, putain. Ça fait un bon gros pied de biche bien pointu. Tu déboîtes des crânes avec ça. Ça, dans un jeu de zombies du genre à la Dead Rising, ça serait énorme comme arme. Le pic de fer. Bon, ça doit sûrement exister, mais d'une autre forme. Y a pas un truc? Pousse-toi, gros sac. Je peux même pas rentrer dans la penderie. Bon, hein, on va tac. La lettre, hein, c'est le truc qui brille en gros. Mrs. Maldonado, 712 North Hill Street, Los Angeles. Moi, je suis un enfoiros. Je suis un policier, j'ai tous les droits. J'ouvre les lettres. Antonia Isabelle mamamama. Alors Antonia. Attends. Oui. Suite à mon courrier du 7 août, je vous écris pour vous faire savoir que votre... Merde. Oh putain. Oui, suite à mon courrier du 7 août, c'est bon, j'ai lu. Que votre demande de la Cour supérieure de Californie, s'il te plaît, a été acceptée et qu'un procès va avoir lieu.
D'accord. Votre affaire, numéro de registre 98760. D'accord. Pas le temps de lire. Votre époux, Angel Christopher Maldonado, résident au 304-330. Voilà. Les documents officiels devra se présenter. Ouais, ok, j'ai pas le temps. District central, la date ci-dessous. D'accord. Bien que cela ne soit pas nécessaire et que la plupart des femmes s'en dispensent, je vous recommande de vous présenter vous aussi au tribunal à cette date. De mon expérience, la présence de la femme d'un accusé dans ce genre d'affaires peut grandement influer sur la procédure. Et si votre époux ne se présente pas le 17 septembre, ce qui, d'après ce que vous m'avez dit, semble probable, nous aurions alors toutes les chances de notre côté. D'accord. C'est intéressant, à mon avis, son compagnon était, était accusé d'une chose pas très catholique, hein, il faut le dire. Super. Ouais, mais c'est bon, là. Attends. J'ai bien lu toute la lettre, au moins. Non, parce que, bon, il y a des fois, on sait jamais, hein. Je peux pas la réouvrir. Ok, bon, on va la interroger. La demoiselle, il n'y a pas d'autres preuves. J'espère que je loupe pas parce qu'à chaque fois je loupe des indices. Non, bon, à part la fenêtre. Ah, peut-être. Attends. Non, mais la lettre, j'ai déjà faite la lettre. Robert, je l'ai déjà fait. Bon, bah tant pis, on va aller l'interroger. Bon, on va dire que c'est bon. Enfin, perso, je vois pas de... Oula, oula, oula. Qu'est-ce qui nous a fait, là, le Phelps, là? Oula, oula. Allez, IA, décidément. Oh, c'est même pas une IA, c'est moi qui les contrôle. Mais les animations, c'est un peu chelou. On va procéder... Ok, il s'est téléporté. Ouais, t'as intérêt, vieille bique. Gna gna gna, propriétaire de la pension Parson. Suspect potentiel. You have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? Oh, l'a traité de jeune homme. Oh, comment il se tait? Comment c'est trop la vérité? What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Hey, yeah, on commence avec une bonne réponse, enfin. Mon Dieu, attention, on va voir la suite, ça risque de pas être pareil. Comment elle a l'air déterminée, la vieille. Attends, il manque une jambe, là, ou... Putain, c'est psychédélique comme truc. Non, là, la jambe qui rentre dans le fauteuil. Putain, les enfoireuses de développeurs, ils ont cru que je verrais pas ça. Sauf que ça se voit. Regarde, elle a le genou qui dépasse de sa robe et qui traverse le fauteuil. Bon, désolé si je vous ai niqué la rétine. Mais bon, je suis désolé, il fallait souligner. Elle est partie autour de 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. J'ai un petit doute. Attends, on va voir le carnet parce que je n'ai aucune idée des preuves. Traînée de sang, chapeau de femme, effet personnel, clé, note à motif en pointillé, carte de la bibliothèque, carte de la bibliothèque déchirée, bracelet sur la photo, fenêtre brisée. Alors là, du coup, je sais pas si j'ai envie de mettre doute parce que voilà, elle bouge juste les yeux comme ça, mais ou alors mensonge éventuellement avec la carte de bibliothèque, mais A nosy old hag c'est like bon. You knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. VIP quoi. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name. C'est donc ça. Eldorado, c'est tellement original comme nom. That's only a couple of blocks from where we found the body. D'accord. Deux bonnes réponses. Cling 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 cling. Je le note dans mon carnet. Non, attends, had bon. A break-in? No. That can't be true. Bon, ça c'est une grosse connerie parce que mensonge. Attendez, j'ai economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about.
Ah ouais. Ah ouais, t'es sûr. Fenêtre brisée, coquine. Et trois bonnes réponses. I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. Un raton laveur. Intéressant. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Pff, rien à foutre de ta réputation. Yeah, un point d'intuition. Oh, je suis déjà niveau 11, mine de rien. Bon, bah écoute, bah, qu'est-ce que tu fais, Jackie, là? You owe it to Antonia to hear me out. Qu'est-ce que t'as, la vieille? T'as encore un truc à dire? Passe-moi la bouteille de whisky. Je conne. Il y a une bouteille de whisky, là. Bon, c'était bien charmant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu... Pourquoi? Pourquoi tu montes? Qu'est-ce que tu fous? C'est pas par ici, la sortie. Hé hey! Vieux sac, je suis ton supérieur. Mais pourquoi je reprends ça? Enfin, pourquoi ils veulent que je remonte? D'accord, mais en fait je pouvais réappuyer, mais Okay, we have an address. Putain, il fallait aller jusqu'au... Putain, en fait il avait pas lu la... L'aide d'avocat enquêté au domicile local. C'est parce que ce con... Enfin, non, c'est moi là pour le coup. Faut descendre vraiment jusqu'au bout parce que sinon il... Voilà quoi, il... ça... Ça le considère pas comme un indice. Trouvé. Bon, bah voilà. Normalement, il n'y a plus rien. Bon, bah let's go. On se taille de ce trou. Je sais pas, ma mini-carte a disparu. Je sais pas si y a un téléphone. Bah normalement oui, mais bon non apparemment. Ok, est-ce que la mini-carte Ah oui, la mini-carte est là. L'autre gros sac, je sais pas où il est, bref. Où est ma voiture de fonction? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ma bonne vieille voiture. En voiture, camarade. Alors putain, waouh, j'ai tellement d'endroits où aller. Domicile des Maldonado, domicile d'Antonia. On va aller au bar d'Eldorado. Allez, j'ai envie d'aller dans un bar. En route. And I thought I was coming on strong with the ex-wife line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the... Ah, je suis d'accord, un vrai policier. Putain, il y a les sacs de policiers. Un policier. Wow, calme-toi, coquin. Je vais pas te faire de mal. She starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. It's a sad story, but this town's seen it play out a thousand times. Oh. Whoa there. Bref. Why do you want to see a connection? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Ouais, dit comme ça. I've been through three, though. No big deal. After a while, you just numb yourself with experience. Ouais. Ouh, putain. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Crétin. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. Ah oh putain, alors lui. Lui il accuse tout le monde. C'est le mec facile, tu vois, un peu simple d'esprit. C'est le policier, tu sais même pas comment il est devenu flic, enfin inspecteur là. J'ai oublié notre division, mais bref. Ah là là, c'est où le bar? Eldorado, ça doit être. C'est en face? C'est où? C'est pas écrit Eldorado. De toute façon, je vais être téléporté, donc rien à foutre. C'est où? Ah si, c'est là. D'accord, en fait, c'est le truc tout pourri au bout de la rue. Bon, on va se garer correctement, hein, parce qu'on fait pas ça comme des sagouins. J'ai pété un phare, mais on dit qu'on a rien vu. Hein. On a rien vu. Oh, il y a une boutique de vêtements à côté. Bon, hein, t'avances. Eldorado Bar. Welcome. Welcome. Ah, vous avez vu, c'est un bar, hein. C'est ouf. LAPD. LAPD. Diego Aguilar, how can I help?
You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. But what did she do? She was murdered last night. Oh, comment c'est cru? Oh, shit. Oh, shit. Did you know her well? Was she a regular? Hell no. But she was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Fais voir cette lettre. Angel Maldonado by hand, en main propre. Los Angeles County, the state of California, d'accord. Attendu que Manuel a introduit le 8 août 1947 une assignation devant la cour supérieure de l'état de Californie. Fondée sur les documents 6 juin. Afin que... Bon d'accord, j'ai pas lu. Mariage avec Angel Maldonado. D'accord. Nous ordonnons par la présence... Par la présente, putain j'ai du mal. Que Angel Maldonado le Oh, obligation ou excuse comparaisse en personne devant le tribunal du district central de la cour. Supérieur de l'état de Californie le mercredi 17 septembre 1947 afin de répondre à une assignation en divorce du chef de cruauté introduit par la susvisée Antonia pour contester une assignation souhaite-t-elle le bien fondé de l'adite demande en divorce formée par la demanderesse. Ouah, mais ça veut rien dire ce truc, putain, c'est trop de termes professionnels. Témoin l'honorable Earl Brandzab, juge de l'adite cour de Californie. D'accord. Divorce papers. Did you open them? Bah non, trou. No tu... need to. Mais non, tu. Mais t'es con, tu. Oh là là. Said she was gonna show him. D'accord. Le truc, l'enveloppe est fermée, tu sais. Vous l'avez ouvert? Non. Oh bah tiens, c'est drôle. Franchement. Bon, mon petit Diego, va falloir passer aux aveux, hein. Bijoux manquant. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Lui, je sens qu'il va être compliqué. Chapeau de femme, effet personnel, non. Bracelet sur la photo, fenêtre brisée. Elle avait un bracelet, mon chou. Là, j'irai doute, franchement, mais j'hésite. Where did she go? Ouais. Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Bah, tu m'étonnes, hein? Déplacement de la victime. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Bah là, il cligne très souvent des yeux, mais franchement, je dirais vérité. Ouais, c'est tout un travail d'observation, là, hein, je veux dire, bon. Il a l'air, il bouge pas la bouche. Il cligne juste des yeux, donc franchement, vérité. Pour l'instant, aucune fausse réponse. She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? Plus 10 XP, motherfucker. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Prétentieux, va prétentieux. Ah là là. Quoique prétentieux, en fait, c'est pas si grand que ça. 43, j'ai des potes, ils font du 47. Bref, c'est pas du tout la question. Oh, mon phare a été réparé. Bon, eh ben on va se rendre, je sais pas où. Alors, voyons voir les choix
que l'on nous propose. Bar Eldorado, domicile, marché, trésor du jardin. On va aller là, hein, parce que bon, c'est pas très loin. Ah bah, pour le coup, c'est vraiment pas loin. Wow! Doucement, papillon. Non mais oh. Hop, voilà. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de trajets, c'était très utile. Marché trésor du jardin. Ah ouais, mais en fait, elle a juste traversé la rue, quoi. Évidemment, c'est fermé. 13h53, les mecs. Bah ouais, shut. Putain. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Ah, oh, fuck. Bon, bah, on retournera cette nuit. D'ailleurs, je sais pas comment... Je sais pas s'il y a moyen de connaître l'heure sur le jeu, enfin sauf dans les petites cinématiques comme ça, bien sûr. Bon bah tant pis, on va aller. On va aller du coup, domicile d'Antonia, non, scène de crime, domicile des Maldonado, marché trésor du jardin. On va aller au domicile des. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right. J'avoue, allons torturer un peu le mari. Bon, en tout cas, il nous aura donné quelques précieuses informations. Ce barman, très gentil, hein, Diego. Franchement, Diego. Oh, regardez ça. Eh, super détail. Des mecs qui se font cirer les chaussures dans la rue. C'est fou, hein. Eh, franchement, niveau des détails, ils se sont fait plaisir. Putain, ils se sont fait plaisir, les petits gars de chez Rockstar. Enfin, je sais plus si c'est eux qui. Enfin, Rockstar, je sais pas si c'est eux qui développent. Ils doivent éditer ou produire, je sais plus. Bref, allez, on y va, on se presse. Oh putain, le mec en pick-up. Le mec en pick-up, il joue avec le feu. Ah là là, ah j'avais oublié que c'était bridé en 30 fps. Putain, je me disais aussi, j'avais une impression de non-fluidité. Mais en fait, c'est normal. Excusez-moi, on va se garer ici parce qu'on est des pimps. Attention, il va se garer tout seul. Oh, regardez-moi. Regardez-moi ça. Ah merde, non, c'est pas beau. Non, moi je me garde bien. Voilà. On va dire que c'est bon. Voici la brigade du crime. Ok, on rentre par ici. Pas mal là, pas mal là. Franchement, c'est beau. 14h06. Hein? Waouh. Quelle entrée de standing. Un téléphone ici. C'est bien gentil, mais c'est quelle porte? Bon, de toute façon, hein, poignée dorée. Il suffit de chercher une poignée dorée et bah, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de trouver des poignées. Non, de chercher des poignées dorées. Nanana. C'est pas compliqué. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Avec tes idées de merde. LAPD, motherfucker, you're under arrest. Motherfucker. C'est qui lui? Ah ouais, merde. Ah non, 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 pas des phases de combat. Non, 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 non. Et en plus, c'est des chinois là. Oh, non, déconne. Wouah, le mec. Comment on fait pour frapper? Merde, comment? Frapper. Non, frapper. Putain, ça a fait affaire comme la dernière fois. Mais frappe, trou du cul. Frappe. Allez, frappe. Comment on fait pour frapper? Mais frappe! Attendez, bon. Comment on fait pour frapper? Attends, ça va être le même problème que la dernière fois. Ouais. Allez, frappe! Mais c'est quoi pour frapper? Sans deck! Mais t'es vrai. Attendez. J'appuie sur Y, B, A, X, tout en même temps. Plus les gâchettes, y'a rien qui marche. Ah mais si, attendez, je dois pas le viser. Ta gueule. Leave him be. I don't want no trouble, see? I got nothing. Attendez, quietly, Mr. Oh! Esquiver les attaques. Ah oui, ben voilà, faut appuyer sur la gâchette. Attendez, comment je fais pour frapper maintenant? Putain, je vois rien! Arrête de me frapper! Ah,
Putain, mais frappe! Attendez. Attendez, y'a un truc que je pige pas. Stay back! Oh! Oh! Stand down! Ah now. Putain, c'était cette gâchette là, crétin! Ah! Oh. Tu vas arrêter de me faire chier, toi! Oh! Oh! Putain, y'en a marre! Crétin, je ramasse mon chapeau. Damn. Putain, faut pas que j'oublie. I got some decent shots en fait, in LT, faut maintenir LT. Oh. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. J'ai fait la guerre, les mecs. Putain, bande de petits crétins. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. Two suspects need transporting to Central. Ouais, pour une fois qu'il fait bien son boulot, Galloway. Wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? Bah... Bonne question. We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Attends, on va pas se farcir tout l'immeuble, Jean-Pierre, t'es marrant. Bon, on cherche des indices et on va se laisser là-dessus. You don't call me Finbar. Finbar. Il y a un carnet là. Il y a un carnet qui brille, c'est trop flag. C'est trop flag. Mais évidemment, on ne peut pas s'en servir. Putain, il y a rien dans la chambre, je suis deg. Là, un téléphone. Ah. Ah. Un ticket de cinéma. Non, je déconne, c'est quoi? Probably nothing. Oh putain, évidemment, c'est rien. Probably nothing. J'adore qu'on dit ça. Le reste du repas d'hier soir, on me dirait une bonne ratatouille ou des spaghettis bolognaises éventuellement. Ah mais non, je veux te caler niveau culinaire, hein, je vous le dis. Qu'est-ce donc marché trésor du jardin. Oh. Just picked fruit market. Ça sent mauvais. Ah, c'est des beaux. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Ouh là 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 là, c'est pas beau. Ah ah. The El Dorado must be a family favorite. Ouais bon, à mon avis, il a déjà activé la... Ah la... Ah putain, c'est quoi cette grosse main là? Oh, qu'est-ce que tu fais avec ça? This will take some explaining. Ah bah putain, j'espère que oui, parce que... Hein. Ou alors c'est la sauce tomate. Attends, je sais pas. C'est peut-être le... Tu sais, la catapulte. Comme on fait tous quand on est petit à la cantine. Bon, peut-être pas avec de la sauce tomate, parce que c'est bien dégueulasse et ça en fout bien partout. Oui. Oui. D'accord. Super, bon, ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Non, ici, il y a rien. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi, he's toast. J'ai l'impression qu'on a fait tout là. Ici y'a rien, dans la chambre y avait rien. Dans la chambre y'avait rien, on est d'accord. Hein. Mais non, y'a rien. Hein. Bon, du coup, c'est une bonne occasion pour se laisser là-dessus, les amis. Ça fait 30 minutes. Juste petite information, on a pété un peu à câble avec Yanamu avec l'épisode d'1h20 de Civilization. On est désolé. Dorénavant, on va vous faire des épisodes, je pense. Je lui en ai pas encore parlé. Enfin, si je lui ai dit, il est d'accord. Pour faire des épisodes de 40-45 minutes. Comme vous nous l'avez demandé dans les commentaires pour certains. Donc on fera ça, ce sera 10 fois plus simple à upload. Enfin, un peu plus simple, du moins. Et ce sera plus court et plus agréable. Ce sera un format plus agréable à regarder. Voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez apprécié. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous.